Squeezie, aujourd'hui on se trouve enfin sur Subnautica. Ça fait longtemps que je fais une vidéo sur ce jeu. C'est un jeu d'exploration en milieu sous-marin. On va devoir survivre, on va devoir crafter des trucs, genre du saumon fumé par exemple, pour nous nourrir. Une défaillance catastrophique de la coque s'est produite durant la chute gravitationnelle du vaisseau mineur Aurora. Cause inconnue. Aucun signe de vie détecté dans un rayon de 100 mètres. On va aller à 110 mètres, comme ça on trouvera un pote. Allez, ok, donc on est dans notre capsule de sauvetage. On peut escalader à l'échelle. Oh, c'est joli, hein. J'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on va pas devoir aller dans ce vaisseau, voir s'il y a pas de la vie là-bas, justement. Alors ça, ah, voilà, alors ça, c'est le truc dans lequel on va pouvoir crafter à manger, ou alors se faire des équipements et tout ça, quoi. Bon, bah écoutez, déjà, on va devoir aller chercher dans l'océan des crafts, hein, on va pas se mytho. Et du poisson. Et on y va en 360. Wouhou. Casser ce bloc de calcaire. Et hop, on a du titane. Oh merde, ok, on a une barre d'oxygène. C'est chaud, ça, hein. Pour nous, ça, regardez. Il est... Oh, il nage vite, le con. Oh, on ramasse du sable. On va vraiment... Non mais c'est une blague, mais à quel moment le sable ça va nous être utile? Viens là. Ah. Oh, on va le cuisiner. On va le charbonner, le con. Est-ce qu'on va pouvoir le cuisiner ou il faut un autre ingrédient qu'on n'a pas? Genre, je sais pas, de la crème fraîche par exemple. Pepper cuit. Non, c'est bon. Et ça va le cuire. Oh oui. Nous avons un pepper cuit qu'on va manger. Vous avez vu, ça nous a grave remonté la barre. Allez, c'est super. Oh, il y a du quartz là. Oh. Ça c'est quoi, ça? Champignon acide. Ce qu'il nous faudrait là, c'est du quartz et du minerai, quoi. Oh, débris métallique. Alors ça, ça c'est un tunnel. Oh. Oh, mais c'est quoi? Le poisson, c'est une bombe, mec. Calme-toi. Et du coup, on peut ramasser son corps. Poudre de poisson explosif. Fragment de Simon. C'est quoi, Simon? Je peux même pas le ramasser. C'est quoi, ça? On dirait un putain de frigo, quoi. C'est juste le frigo qui contenait les bières dans le vaisseau. Couteau de survie. Il faut du caoutchouc en silicone. Mais où tu veux que je trouve du caoutchouc en silicone? Bon, ok, sinon en équipement, qu'est-ce qu'on peut avoir? Combinaison de plongée renforcée. Bon, en tout cas, il nous faut du caoutchouc en silicone. Alors, vous savez quoi? On va retourner, on va trouver du caoutchouc en silicone. Putain, je trouve que du quartz, mec. C'est embêtant quand même. Peut-être que c'est dans une autre zone un petit peu plus loin. C'est super joli, en tout cas. J'adore. Par contre, c'est très oppressant d'être sous l'eau comme ça. J'aime pas du tout. Peut-être que c'est là-dedans le caoutchouc. Bah, pas du tout. Ça, c'est du caoutchouc, ça. Oh, oh. Ça a explosé. Ah, c'est complètement con quand t'es en danger de te suicider. C'est débile. On a jamais vu ça, putain. La nuit approche. Oh, oh non, je pensais qu'il allait toujours faire jour. J'espère qu'il n'y a pas de... Oh, du coup, c'est joli. Regardez, ça brille. À mon avis, on doit pouvoir crafter une lampe, je pense, parce que là, on voit que dalle. Mais le truc est sauteur de l'eau, calme-toi. S'il te plaît, Pepper, attends. Peut-être qu'il faut décortiquer le poisson et la peau élastique du poisson, c'est ça le caoutchouc. C'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Fusée éclairante, mais ça, on sort. Ah bah si, regardez, source de lumière efficace sous l'eau, très bien. Réservoir d'eau 2. Oh, il me faut du verre. On peut fabriquer des matériaux aussi. Ah bah voilà, le caoutchouc il se fabrique, bordel. Excellent, avec du quartz. Ah putain, on est bien. On peut faire une usine de caoutchouc, bordel. Allez, fais-moi du caoutchouc. On peut faire du verre aussi, bah voilà. Et là du coup, on va pouvoir crafter un plus grand réservoir d'oxygène. Ça c'est bien, ça. Voilà, réservoir d'eau 2. Oh là là, c'est vraiment un succès déverrouillé. Non mais, non mais là, abonnez-vous, hein. Et le couteau. Oh là là, mais quel début extraordinaire. Bah du coup, on va pouvoir se faire les palmes pour aller plus vite. On pourra chasser du plus gros poisson. Et un pompe-l'air de la surface, un tuyau. Bon, on va le faire, hein. Alors là, actuellement, pour construire d'autres trucs stylés, il nous faut un kit de câblage et donc du minerai d'argent. Et le minerai d'argent, à mon avis, on va le trouver plus en profondeur. Ok, c'est reparti. Écoutez, on a notre petit lumière. Bah, ça sert à rien parce que maintenant il fait jour, putain. On a passé la nuit à crafter des trucs. Quel travailleur, c'est exceptionnel. On a notre petit couteau, par contre. Et ça. Tu peux pas m'échapper, j'ai crafté des palmes. S'il te plaît. Donc bonne nouvelle du coup, maintenant avec le masque d'oxygène qu'on a crafté, on a 75 points d'oxygène et plus 35. On va pouvoir aller hyper profond dans ta maman, c'est faux. Oh. Toi, j'ai envie de te manger, tu ressembles un peu à Gollum. C'est une blague ou quoi? En fait, le truc est déjà mort, ça se mange pas, putain. C'est parti, Aurora. On arrive. Déjà, vous voyez, Aurora, les fonds, ils sont beaucoup plus profonds. Mais vu qu'on a des tuyaux, on va pouvoir y aller, mon gars. J'espère qu'on va trouver des minerais là, hein. Ok, on déploie un tuyau. Quoi? Comment ça marche? Oh, j'aurais dû me renseigner avant. Oh merde. Oh non. S'il te plaît, vite, fais pas le con. Non, c'est bon, ça passe. Oh, 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 on aurait dû crever. En fait, je pense qu'il faut le mettre là. Ouais, voilà, c'est ça, ok. En fait, il faut les relier, tous les tuyaux. Hop. On continue. Ah merde, on a pas assez. Ouais, mais c'est pas grave, du coup, on pourra revenir là pour respirer, comme ça. Oh là, regardez, regardez, regardez. Non, ça, ouais, c'est ça, minerai de cuivre. Oh là là, c'est fantastique. Donc faut trouver cette espèce de petit mode de pierre là contre les murs. Et là on a eu du titane, nul à chier. Dépôt de sel. Oh, c'est pas mal ça, on n'avait pas vu. Bon, c'est bon, on a assez de minerai, on va pouvoir retourner à notre base. Par contre, je suis déshydraté. Comment faire pour s'hydrater? Ça c'est une bonne question. Faut que je fasse de l'eau. Mais comment on fait de l'eau? Attendez. Ah, peut-être avec le sel, il y a peut-être un délire de désinfection, c'est faux. Eau désinfectée, il faut de la javel. Et la javel, tu la fais comment, mec? Avec du sel et un échantillon de corail ordinaire. C'est où le corail, s'il vous plaît? Et si je tape là? Ah bah voilà, échantillon de corail, faut juste taper là-dedans, mon gars. Bon, buvons un peu. Ah, plus 40%, c'est cool. Il y a un truc qui est cool qu'on peut se faire. Une lampe torche, bah voilà. Yeah.
Déployer, on va faire une armoire pour stocker du matos. Ah oui, ok, d'accord. L'armoire, la taille qu'elle prend, mec. On va la mettre là. Ok, c'est super. Elle est comme ça, du coup, on peut stocker des trucs dedans. C'est génial. Une gravisphère? Utilise la gravité artificielle pour attirer des objets légers. Attends, on va totalement faire là, une gravisphère. La nuit approche. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on a une lampe, baby. Et c'est parti! En bouteille. Et la lampe, ça éclaire beaucoup? Ah oui, ah c'est plaisant. Un régal. Et je veux juste tester cet objet là. What the fuck? Ça veut choper le poisson. Le réacteur d'Aurora va exploser apparemment. Non! On va être irradié, mec. Oh! Ça va faire un tsunami, il faut que j'aille à l'abri. On va crever. Je voulais juste sortir la nuit pour faire plaisir aux gens et pour s'amuser. Il y a des radiations maintenant. Non! Non! Combinaison anti-radiation, il me faut 2 plombs et du caoutchouc. Caoutchouc, c'est bon, mais le plomb. Pour faire un plomb, il faut 3 cuivres et de l'argent. Non, mais please. Écoutez, on va quand même aller dans les zones profondes qui sont là-bas en espérant qu'on se fasse pas irradier la gueule. Attends, je viens de penser en plus, la radiation, elles vont peut-être. Ça va peut-être irradier des poissons qui vont devenir des mutants et qui vont nous exposer la gueule. Oh oui, c'est beau ça. Oh, minerai d'argent. Radiation détectée. Oh, voilà, voilà. J'en étais sûr. Ok, le jour se lève. Au moins, c'est un petit peu rassurant. Oh non, il y a des radiations. Putain, je suis en train de me faire exploser. Tant qu'on n'aura pas de quoi faire la combinaison en plomb, on sera totalement baisé. Oh, mec, ça, c'est un poisson qui a muté, mon gars. C'est pas possible. Vous avez vu ça? Ça, c'est son point faible, ça. Ah, ah, pardon, 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 c'était une boutade. Ah, ok, il nous a chié dessus, en fait. D'accord. Comment je récupère de la vie, moi? Non mais là 7% de vie c'est juste impossible, je vais crever. Bonne nouvelle, on peut faire un plomb. Mauvaise nouvelle, il nous faut un deuxième plomb pour faire la combi anti-radiation. Donc il nous faut 3 minerais de cuivre et 1 d'argent, j'en ai marre. Oh ça me gave là, cette histoire de plomb, bordel. Je pète les plombs. Oh eh, ça je le sens, c'est du feu. Radiation détectée, non, non. Vous êtes mort et vous avez perdu du matériel. Ah c'est tout? Mais ça change rien de mourir en fait, mec. Le seul jeu où mourir ne change rien. Voici, on va réussir à faire cette combi de merde là, hein, quand même, un jour. Putain, titan de merde. Voilà, plus qu'un minerai d'argent, on est bon. Oh, oh, oh. Oh, putain, titan. J'avais 203. Putain de cuivre. On est à 65 mètres. Du titan, mais c'est une blague. Cuivre, ouais. Mais y'en a pas un seul, quoi. C'est extraordinaire. Mais non. Allez, minerai d'argent. Et c'est du cuivre. Cuivre, parfait. Inventaire plein. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur Subnautica. Ça fait un petit moment qu'on joue et puis je pense qu'on a bien découvert les bases ensemble. C'était super bien, on va recommander le jeu 1 milliard de fois et je comprends totalement pourquoi. Alors on se retrouve dans une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé. On refera peut-être une vidéo sur Subnautica quand j'aurai trouvé le minerai d'argent. Portez-vous bien, à très vite, ciao tout le monde, peace.